hippique de Flers, où Anne-Marie et Pascal Grossin enseignent l'équitation avec passion depuis déjà plus de 30 ans. On a passé le monitorat dans le Val d'Oise en juin 83 et nous avons trouvé sur le Cheval Magazine une petite annonce de 3 lignes. On est venu visiter, on a eu le coup de cœur et on est venu en septembre 83. On a démarré d'abord l'équitation à cheval et puis après, en novembre 83, on a rentré des poneys et là, l'histoire du Poney Club a démarré. Une grande brosse, dis donc. Ouais, j'en prends toujours une grande. Pourquoi? Parce que c'est plus efficace. Ça va beaucoup plus vite. Déjà en lui faisant une petite caresse, tu vois, elle vient tout de suite. La cavalerie de Cap se compose de chevaux, de double poneys et de Shetland. On a une dizaine de Shetland, une dizaine de grands poneys et chevaux. Les chevaux sont tous polyvalents. Ils sont capables de faire un petit peu de dressage, un petit peu d'obstacle, un petit peu de cross. Et nos Shetland, pareil. Comment il s'appelle ton poney? Lido. Et comment il est? Génial. Pourquoi? Parce que je l'aime bien. Et pourquoi tu l'aimes bien? Parce qu'il est juste à ma taille. On est un petit peu obligé d'avoir toutes les tailles parce qu'on démarre l'instruction à partir de 3 ans. On fait l'initiation découverte pour les enfants de 3 ans. Donc il nous faut des petits Shetland. On a des Shetland un petit peu plus grands pour les enfants de 6-7 ans. Et après, on a des poneys C, des poneys D, et puis des chevaux pour les adultes. Ça fait longtemps que vous venez là? Ça fait 1 an. D'accord. C'est sa deuxième année. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très familial, c'est sympa. Donc, je le conseille pour tout le monde. Il y a une bonne ambiance, et l'équipe est à l'écoute, ils adaptent en fonction des enfants. C'est très bien, c'est ce qu'on cherche. L'équipe qui fait fonctionner le club est composée de 3 personnes. Et à chacun sa spécialité. Il y a Pascal qui s'occupe essentiellement de l'instruction à cheval et qui monte les chevaux de concours, les chevaux de propriétaire et qui prépare les jeunes chevaux. Et puis depuis plusieurs années, nous avons une monitrice qui s'appelle Laura. Ça va aller ou tu veux que je t'aide ? Laura a été élève monitrice chez nous et puis là, elle est embauchée et maintenant elle est à temps complet. Je laisse faire le reste. Attention de pas passer trop près du poney qui a arrêté. On va dans le manège. Les uns derrière les autres. Laura s'occupe de l'instruction quotidienne, des scolaires, des groupes d'handicapés et puis des cours du mercredi et du samedi. Et moi, je m'occupe plus de l'organisation, de la gestion, la réception des clients, etc. J'adore enseigner aux petits, c'est un autre lien, c'est différent. Je crois que le plus merveilleux, c'est quand ils réussissent quelque chose qu'ils n'arrivaient pas avant et que là, ils sont tout contents. Et ils nous apportent tellement quand ils arrivent avec le sourire, c'est et c'est génial. Bon, on est parti. Allez, c'est parti mon kiki. Voilà, super. Allez. On fait beaucoup de jeux avec les enfants pour leur apprendre à diriger, à trotter, galoper, avancer. Parce qu'on prie dans le jeu, ils apprennent sans s'en rendre compte. J'aime aussi leur enseigner les bases, un petit peu de technique. Donc là, on fait bien les coins sans écraser mes plots. Hein. Sinon, on a un gage. Diagonale en hache pour changer de sens. Donc on passe bien derrière mon plot. Dis donc, potiron, c'est bien ça, Morgane hein. Ils sont très beaux tes coins. Et oui, mais Victor, arrête de tirer sur tes rênes, bonhomme. Baisse tes mains. Voilà. Mais là, si tu recommences à tirer, il va s'arrêter. On peut enseigner la technique aux petits,
parce que c'est important, surtout au niveau de la position. Victor. Regarde, quand tu trottes, tu as tout le temps les mains là. Est-ce que tu crois que ton poney va mieux avancer comme ça? Non. Est-ce que tu crois que si tu as les mains là, il va mieux avancer? Bah oui, donc il faut que tu te concentres. Tu mets tes mains dans le rouge. Ta cravache, il ne faut pas qu'elle tape derrière, il faut qu'elle reste ici. Et là, il faut que tu te redresses, droit comme un i. Et là, t'es magnifique. Une fois que c'est acquis, après, c'est plus facile. Alors, et puis, c'est avec des bonnes bases qu'on en fera des bons cavaliers. Un cercle à la porte, là. Depuis 3 ans maintenant, c'est la 3e année, on a mis en place un sport-études. Et cette année, on est en partenariat avec le lycée et le collège Saint-Thomas-d'Aquin de Flers. On est à 5 minutes du lycée et du collège. Donc je vais chercher les élèves pendant le temps scolaire. Ils viennent monter et je les ramène au collège ou au lycée après. Donc ça leur permet de monter soit en matinée, soit en début d'après-midi et ne pas attendre le soir après 18h pour venir faire des cours et s'entraîner pour préparer les examens et les concours. On va se mettre en cercle autour de moi. Ce que je recherche à cheval, c'est de faire en sorte que les gens arrivent à respirer profondément, calmement. Et à partir du moment où ils arrivent à respirer et être libres dans leur tête, ils se relâchent et la technique vient. Alors, on va commencer par se présenter. Alors, but du jeu, on va faire comme avec les petits. Vous allez vous présenter, me crier votre prénom. Vraiment, d'accord? Alexia, vas-y. Plus fort, faut y croire. Alexia! Vas-y. Thomas! Nathalie! Emmanuel! Carole! Corinne! Tatiana! Sarah! Tout le monde ensemble! 3, 2, 1! Nathalie! Attendez, j'ai rien compris, recommencez. Si on arrive à les décontracter, tout le monde est plus heureux. Les chevaux aussi. On se prépare pour arrêter. Ce que je peux transmettre quand les gens sont avec moi, c'est la bonne humeur. On se prépare pour arrêter. Arrêtez! Oh. Va falloir refaire les plaquettes de frein. Au trot. Allez, c'est parti, sans détendre les rênes. On pince bien les rênes entre pouce et index et on pose ses doigts sur le contact. Hein. Je leur donne de la technique, mais je leur dis en même temps, la technique, vous l'avez entendu. Maintenant, pour y arriver, il faut travailler sur vous-même. On est reparti au trot sur le cercle. Et Nathalie, essaye de prendre le contact. Allez. Raccourcis tes rênes un petit peu et trotte enlevé sur le bon diagonal. Moi, je monte ici depuis 15 mois avec mon cheval. J'ai 3 chevaux chez moi. Je les ai travaillés avant dans un petit club et j'avais vraiment envie d'une technique un peu plus académique. Le nez dans le sens du virage, voilà, sans monter trop ta main. Tu gardes. Donc j'ai une amie qui montait là, j'ai eu envie de venir voir l'ambiance. Puis ça m'a plu tout de suite, quoi. Les cours me plaisent, je sens que mon cheval évolue, moi également. L'ambiance est bonne, voilà, c'est vraiment une ambiance familiale comme je recherchais avec un bon enseignement. Tous les mercredis et tous les samedis, il y a des mamans qui sont bénévoles et qui viennent avec la pâte à gaufres et la pâte à crêpes et on fait des gaufres et des crêpes le mercredi après-midi et le samedi après-midi. Et on vend des petits sacs de bonbons, donc les enfants n'apportent plus leur goûter, ils goûtent directement au club. C'est très convivial, c'est très chaleureux, et puis tout le monde est content d'avoir des gaufres. Depuis cette année, le club hippique s'est lancé dans une nouvelle activité. Nous accueillons des jeunes essentiellement de la région parisienne qui sont en immersion totale dans une famille anglaise. We do not have an expression in English like bon appétit. So in English, we say bon appétit. Ils viennent monter à cheval une à deux fois par semaine et le reste du temps, ils sont dans cette famille pour apprendre l'anglais, pour parfaire l'anglais. On the cycle, prepare to trot. And trot. How do you say opa walk? Walk. You prepare to walk and walk.
Prepare to change the rein. Change the rein. Perrine, drop your heels. Prepare to walk. And walk. I love speak English. Anne-Marie et Pascal emmènent les cavaliers qui le souhaitent en compétition. On a fait un petit peu de concours complet, mais en Normandie, avec les terrains, enfin, il pleut souvent, donc les terrains ne sont pas souvent praticables, donc c'est un petit peu compliqué. Dressage, malheureusement, il faut aller très loin pour faire les concours. Donc, par la force des choses, on sort plus en CSO. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de concours hunters en Basse-Normandie, donc nous avons opté pour emmener nos élèves dans ces épreuves-là. Nos jeunes, ils ne vont pas forcément être dans les premières places, mais s'ils arrivent à monter avec le talon descendu, les mains en place, et puis s'ils sont beaux à cheval, s'ils donnent envie, déjà ce sera bien. Et d'ailleurs, je leur dis, moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas la première place, ce qui m'intéresse, c'est la façon de le faire. Anne-Marie et Pascal ont acquis une solide expérience en matière de coaching, en accompagnant entre autres leurs filles Axel et Anne-Sophie en concours, depuis leur plus jeune âge jusqu'en épreuve de haut niveau. Eh ben ça, je pense que c'est la photo de mon premier concours. Premier concours? Ouais. Ça, c'était Cerise, là, quand on avait gagné par équipe les championnats de France. Là. La petite reprise de dressage déguisée. Là, on est toutes les deux sur le podium, c'est incroyable. Ça devait être en B2 quand tu montais Gala, qui est moi birdie. J'étais tous les week-ends en concours, c'était magique. Je montais, je sais pas te dire si c'était avec ma mère ou avec mon père, mais on prenait énormément de plaisir. Quand j'allais en concours, je gagnais tout le temps. Oh, c'est des trop beaux souvenirs, tu vois. C'était vraiment une belle enfance ces années concours. Oh, un podium. 2002. Oui, c'était quand j'étais médaille de bronze. Déjà, j'ai dû commencer la compétition en 1995. J'ai eu mon premier titre de championne de France en 1997, par équipe, à Shetland. Ensuite, j'ai eu un autre titre en 1999, à Shetland aussi, cette fois-ci en individuel. Et en 2002, j'avais une ponette C qui finalement a fait des épreuves D, puis du Grand Prix Poney. Donc en 2002, je suis médaille de bronze avec elle au championnat de France, à la Motte Beuvron, et de nouveau en 2003. Puis les filles sont passées à cheval et les succès ont continué. Chacune se remémore un moment fort. Avec Carec, c'est le cheval que j'ai eu en 2006. J'ai fait mon premier international et pour mon premier inter, il m'a offert une Marseillaise. Et on a fait plein de concours, grâce à lui j'ai gagné un scooter. J'ai presque envie de pleurer parce que c'est trop beau. En 2006, j'ai eu Leica, puis en 2009, il y a eu ce titre de championne de France. On peut regarder ensemble un petit peu les vidéos de tes exploits. Thank you.
Marie et Pascal continuent de transmettre à d'autres leur passion du cheval et leur savoir-faire, comme ils l'ont fait avant pour leurs filles et des générations de cavaliers. Yeah.